Le Salon de Genève ouvre ses portes demain, mais nous sommes à la soirée d'avant-première de Ford qui n'a pas pu attendre pour nous présenter cette Fiesta ST 200. Alors, rappel des faits d'abord sur la Fiesta ST normale, son Lexus EcoBoost développe 182 chevaux et 248 Nm, ce qui lui permet d'abattre 0 à 100 en 6 secondes 9. Mais ce qui la caractérise surtout, c'est une vivacité et un plaisir de conduite extraordinaire. Malheureusement, les standards de la catégorie se situent plutôt au niveau des 200 chevaux, ce qui fait qu'elle manquait un petit peu de punch pour aller rivaliser avec la Peugeot 208 GTI ou encore la Renault Clio RS. Mais ça, c'est du passé puisque vient donc cette Fiesta ST 200 qui, comme son nom l'indique, développe maintenant 200 chevaux et comme son nom ne l'indique pas, 290 Nm avec un overboost de 15 chevaux et de 30 Nm supplémentaires que l'on obtient pied au plancher. Mais grâce en plus à l'ajout d'un rapport de pont plus court, ça lui permet de gagner 2 dixièmes de seconde au 0 à 100. Mais les modifications mécaniques ne s'arrêtent pas là, puisque ce châssis aussi a été revu, elle est notamment 15 mm plus bas et elle adopte un système de freinage un petit peu plus conséquent. Esthétiquement, on peut reconnaître cette Fiesta ST200 avec ce monogramme à l'arrière, mais aussi avec cette teinte grise exclusive et aussi ses jantes noires. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque à l'intérieur, elle a aussi quelques spécificités. Outre cet énorme logo ST200, elle a aussi quelques inserts spécifiques et ses sièges Recaro qui sont extrêmement enveloppants, qui donnent un petit peu des complexes pour ceux qui ont des poignées d'amour et qui est mi-tissu, mi-cuir. Sur le papier, une Peugeot 208 GTI fait toujours un poil mieux, mais on sait que les chiffres ne valent pas grand-chose face aux sensations et au plaisir de conduite. C'est donc une fois le volant en main qu'on pourra véritablement les départager. Reste un dernier facteur, c'est le facteur prix. La Fiesta ST était extrêmement bien placée et cette Fiesta ST 200 sera vendue entre 1000 et 2000 euros de plus cher, ce qui la place entre 25 600 euros et 26 600 euros. Et avec une Peugeot 208 GTI à 25 900 euros, cela reste extrêmement proche.